Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time, consacrée à la deuxième journée de la saison hippique. Et à mes côtés, nos consultants, Nitin Lekradj. Bonsoir Nitin. Bonsoir Adieu. C'est Thierry Ning qui nous accueillit ce soir comme invité. Thierry, bonsoir. Bonsoir Adieu, bonsoir Nitin. Alors, après une première journée et une course principale remportée par Polar Royal, on attaque maintenant les analyses de cette deuxième journée de la saison hippique avec les courses principales qui vont galoper le 1400 mètres. Banseval qui va participer, Mining Prospect avec Sunil Bassan Tancel, Roman Manne, Sherman Brown, Kalinago Rai Durawan, Kruger Run Cédric Sévillon, Recall to Life d'Eric David, Rock of Arts, le choix de Daryl Holland, Hallowed avec Davy Bonilla et Guida, monté par Swapnil Rama. Donc 8 partants pour les courses principales de samedi. Nitin d'abord, donc une sixième course qui réunit Roman Manne, Kruger Run, Recall to Life, visiblement les plus en vue. Il y en a Kalinago également qui réalise une très bonne saison 2014. Oui, il y en a DC Viking qui a gagné les courses l'année dernière dans ce champ-là, Kalinago et Kruger Run. DC Viking prend pas mal de points sur l'échelle des valeurs. Le papier, et néanmoins, si, par rapport à la classe des chevaux alignés dans cette course, on pensait Roman Manne probablement le meilleur du lot. Mais maintenant, la question qu'on devrait se poser, est-ce qu'il y a 100% de ses moyens? Ça, moi, j'ai un petit doute là-dessus. Et False Rails, en passant, les placer à 1m25, au fin de cause, Roman Manne, qui pour associer à Sherman Brown pour le compte de l'écurie Shailesh Ramdin. Thierry, Roman Manne. Je partage l'avis de Nitin. Roman Manne, probablement, n'est pas à 100% de ses moyens, mais lorsqu'il nous trouvait l'année dernière, lorsqu'il s'est coursé là, il nous démontrait nous. Je pense qu'il irait s'en courser quand même de classe, de très très bonne valeur. Il n'a pas beaucoup de travail à l'entraînement. Là, nous trouvons ce travail ce mardi. À l'intérieur de Rumtumtugger. Rumtumtugger, justement. Et là, après le but, quand le sprint peut lancer, on trouvait qu'il brande bien, sollicite lui beaucoup. Et Rumtumtugger, assez facile à son extérieur. Les deux chevaux, tu réalises un bon chrono sur ce jour-là. Tu finis en 35 secondes les 600 mètres et les derniers 400 mètres en moins de 23 secondes. Même si le style de Roman Manne n'y est pas, mais le chrono était assez intéressant. C'est le fait qu'il est capable de jouer dans l'avantage Roman Manne, c'est qu'il est resté un petit coursier et qui, d'après moi, ne faisait pas trop beaucoup de travail aussi, parce qu'il est capable d'être flat, un peu, seulement dénier les courses à la fin de saison, quand il n'est pas vraiment accéléré comme il le faut. Vous pensez qu'il est sur la fraîcheur, d'ailleurs, il a gagné lors de sa première sortie à Maurice. Vous pensez qu'il sur la fraîcheur et sur 1400 mètres, il y a un bon rythme, il est capable, il est bien dans l'arrivée sur les courses. Roman Manne, le cheval numéro 2 et Amnena Kruger Run également. Kruger Run qui finit de démontrer un joli potentiel en 2014. Nitin, qui est capable d'atteindre ce premier sorti 2015. C'est un cheval très très bien, c'est un cheval qui a beaucoup de travail depuis février, depuis le travail. Il réalise de très bons galops. Mardi, il a bien travaillé à l'extérieur de Winter Sky. Nous trouvons ici Winter Sky à l'intérieur et Kruger Run qui montait par CGO au milieu. À l'extérieur, c'était Nordic Warrior de l'écurie Pedro. Et quand nous trouvons Kruger Run, il laissait une bonne impression à l'extérieur de Winter Sky qui est un bon track worker à l'entraînement. Kruger Run qui finit 7e couloir avec 59,5 kg, 61 kg, 4e ligne pour Roman Manne. Thierry, les chances de Kruger Run? Écoutez, Rajiv, comment Nitin Spediet allait là, Kruger Run, c'est un cheval qui ne remporte 4 victoires la saison dernière. Il est pénalisé au niveau de la valeur, il prend pas mal de points.
Maintenant, les rétrouvelis face à l'élite. Et même si ce tâche à première vue paraît difficile dans sa lieu-là, et sur sa bonne forme actuelle, me pensez nous bien respecter dans sa ligue. Un autre cheval qui finit gagner une bonne préparation, c'est Recall to Life de l'écurie Gilbert Rousset, monté par Derek David, définitif. Deuxième couloir avec 59,5 kg sur le dos, Nitin. Oui, il est dans une super condition, ça, ce cheval-là. Pourtant, nous avons seulement début de saison. Et il réalise quelques très bons galops. Il a en tête souvent de travail en compagnie de Nothing Compares au début de mars. Et puis, c'est un excellent Border Trial. Dans 2 semaines, lors de la grande piste, c'est un cheval qui est dans une excellente condition physique. Comment le trouver dans sa Border? Il n'est pas si même pas un départ canon. Devant, c'est Martin, qui est un nouveau agent, l'écurie Ramsur Gazidar, qui peut débuter dans la deuxième course. Nous trouver Derek David, il nous a sollicité Recall to Life pour recoller un peu avec Martin au bas de la descente. Mais dans la ligne droite, nous trouver l'Inrevinolia assez facilement. C'est un travail très intéressant parce que Martin, c'est à la base un spécialiste 1000 mètres. Et nous trouver qu'il Recall to Life qui termine ce travail dans un joli style. Moi, personnellement, on pensait que c'était un cheval sur lequel l'équipe Rousset tu peux compter beaucoup l'année dernière. En 5 tentatives, il réussit à remporter une victoire, il termine 2 fois second. Je pense que tu peux expecter mieux de lui. Mais mon d'avis que l'intersaison fait lui beaucoup, beaucoup de bien et que c'est un cheval qui n'accomplit certainement une manne cheval contre l'équipe Rousset qui ne puisse progresser durant l'intersaison. Et il est très, très bien actuellement et mon fait lui mon favori dans sa dépense. Thierry. Recall to Life, très, très bien en ce moment, Rajiv. Il réalise un très bon galop à l'entraînement, notamment sa Border Trial qui nous fait guetter là. Nitin fait Djali, Martin qui s'y dévoile, c'est vraiment une spécialiste des 1000 mètres. Recall to Life, il termine dans un très beau style dans son sillage. Et dans la deuxième ligne, vous pensez que c'est un cheval qui peut demander distance, qui peut demander distance au fil des courses. Là, 1400 mètres pour une reprise, c'est pas mal du tout. D'autant plus qu'il, à première vue, paraît être un bon rythme dans sa course là. Et si ces balles-là montrer ce qu'il fait à l'entraînement, vous pensez les bisins capables remporter ça les courses. Donc, nous finissons cause le Roman Manor, le Kruger Run, le Recall to Life. Nitin, qu'en est-il de mon autres challenger? Il y a Rocco Watts qui il a beaucoup de travail dans la jambe. Il a un joli chrono à son actif. L'année dernière, il gagne les courses. Il cause une surprise avec Naiko en venant de Laurier en battant Senso dans. Un joli chrono, un 21-8 sur les 1365 mètres. Pour la suite, il va réussir à reproduire sa forme-là. Malheureusement, il faut bien surmonter ce 8e ligne. Il a Kalinago qui est dans une très bonne condition, qui, sur sa fraîcheur, s'il est rétrouvé dans une bonne position, ne pas capable d'éliminer. Il trouve ce travail mardi. Durant tu faisais infliger quelques coups de cravache lors de ce travail-là. Tu réalises un joli chrono néanmoins, 61 secondes au 1000 mètres. Et c'est un cheval qui a souvent un petit pépin, mais à son meilleur niveau, c'est un cheval qui est certainement capable de bien faire dans sa champ-là. Mining Prospect, lui, peut retourner après un problème. Mon pensée, nous faisait regretter. Guida, mon pensée, leader course dans sa Ligoussa. La doublure de l'écurie Mervin, qui l'année dernière, c'était un cheval qui, toujours de l'arrivée à l'exception de sa dernière sortie, quand tu peux retourner après un break 5 mois, tu peux retourner après un problème, tu l'as battu en Valais. Mais avant ça, si vous êtes sur les courses, il sort second de Pierre-Nive, second de Polo Royal, tu battes pour ses comitatus, et il sort second également de Abington. Il a seulement 56 kilos l'eau sur les dos, un troisième ligne, dans une très bonne condition. C'est pas vraiment un grand track worker, mais mardi, mon un peu étonné quand il tenait tête à Bacon Flair qui est très très bien actuellement. Et vu que c'est un cheval qui excelle dans la fraîcheur, l'année dernière, étant les team montés par débit, les team battus à Abington, c'était son premier sorti, c'est qu'il a très très bien alors qu'il tient outsider ce jour-là. Et puis, 2 ans de cela, avec le même débit, il s'est débuté victorieusement. Donc, si jamais il gagne un bon parcours avec ce bottom weight et ce bon la ligne, c'est un cheval qui est capable de causer la surprise d'abord parce qu'il est dans une très bonne condition actuellement. Et nous passons maintenant à la première course de la journée. La première des courses, le 1365 mètres, rating 0,20, réservé
Bien sûr, Aban Jockey apprenti mauricien, le Nagenerous Giant à Cacho Charles, Keep Walking Rama, Paul Talbot et Achille Mamdi, Black Gambit Raijurawan, Olds Do Cry, ce sera la première monte d'Ashikuga au champ de Moss, St. John Bosco, Niven Mahode, Jack Flash, Sunil Basant, Torero, Rakesh Bogherotti, Space Beam avec Niti Shudit et Sanish Ramgopal en selle sur le 10 Hopes and Desires. Donc, une fourchette de 0-20, côté tout reste possible. Nitin, qui vous pensez, l'eau salée course? Vous connaissez, le papier de Generous Gent, le meilleur cheval du lot. C'était un cheval qui montre lui très régulier après son victoire. Quand il causait une grosse surprise, quand il se battait avec Tata Tiger au milieu de la saison, il montre lui très régulier. Pourtant, un cheval de sa classe-là, vous connaissez, c'est pas ce de faux. Il est troisième derrière Billy Bojangles. Ça joue là, Billy Bojangles bat Yodamen. Yodamen qui gagnait pour la suite très facilement avec Guillaume, nous rappelle, lors de la journée internationale. Ils sont troisième à 0.70 de Elite Loss. C'est un chevaux quand même confirmé à ce niveau. Et là, pour la première fois, il peut galoper en 0-20. Generous Gent, c'est un light horse. Il peut retourner après un repos. Vous pensez, il reprend un peu de muscle. Et dans une très belle forme, il est bien entraîné à Floréal. Il est dans une excellente condition. Il tient la deuxième ligne, il y a quelques chevaux rapides de Saligoussa. Mofeli, mon favori de sa chambre-là. Derrière lui, je place Hopes and Desires, qui est un cheval qui galope bien l'eau la fraîcheur et qui est transformé à l'entraînement. Souvent, des fois, mon tour de travail et mon étonné façon qu'il performe ces dernières semaines. Il est dans une excellente condition physique. Il est très très bien sur ces vals-là. Et avec la décharge de Ram Gopal, il promène seulement 52,5 kg sur les dos. Il a une bonne troisième ligne. Et je expecte qu'il peut disputer l'arrivée parce qu'il y a un chrono qu'il a réalisé et vraiment remarquable ces dernières semaines. Hopes and Desires, Generous Giant, Thierry. Oui, Generous Gent très bien, Hopes and Desires aussi est très bien. Lille, il profite de ce poids plume et sa bonne ligne. Il y a Paul Talbot qui est très bien lui aussi. Il effectue un bon travail en entraînement. Mardi, c'était aux côtés de St. John Bosco. Là, nous trouvons à l'intérieur de St. John Bosco. Et St. John Bosco qui domine Paul Talbot jeudi matin. Et moi, je suis un peu étonné, Thierry, je ne sais pas si au Portal. Moi, je pensais Niven Mardi pour monter pour Talbot à la place de St. John Bosco. Et finalement, Mardi, je pense que c'est le choix de Raj Ramlin de le mettre sur St. John Bosco. Mais malgré tout, pour Talbot, c'est un cheval qui a aidé les courses l'année dernière et nos bisons respectés. St. John Bosco, il peut retourner, vraiment un problème. Tout à fait, et surtout qui pour Talbot excelle dans la course à l'avant, à première vue. Vous pensez Libizin le plus rapide du lot et s'il est capable de quitter ce pas avec Yachine Mamdi qui ne remporte la première course la semaine dernière, pourquoi pas retrouver Paul Talbot dans les combinaisons gagnantes. Il y a Black Gambit qui est bien au niveau de la condition, il bien travaille. Libizin se monte sur 10e ligne, c'est un cheval qui vous pensez mieux faire sur 1500 mètres, mais là pour une reprise 1365, pas si mauvais que cela. Vous pensez qu'il est capable de disputer l'arrivée. Et à propos de Black Gambit, Thierry, ça fait longtemps qu'il m'a tourné pour lui. Et c'est pas là dans une très bonne condition. Si vous êtes lié ce coating, il paraît très bien. Et Marjine travaille en data control, il s'est un peu sollicité de ce travail. Il a beaucoup de travail rapide pour lui. Mais bien dire que c'est un cheval qui n'a pas besoin de trop beaucoup de travail. Et si vous rappelez qu'il a gagné au bord de tir, au premier sorti, donc c'est un cheval qui galope bien l'eau fraîcheur. Jack Flash, le numéro 7, qu'est-ce que vous pensez? Moi, personnellement, vous pensez que Jack Flash, il reste Jack Flash, il est capable tout au plus d'aspirer une place dans le quartet. Et Jack Flash, vous pensez, dans sa chambre-là, il est probablement un cheval qui n'a plus beaucoup galop. Il est dans une très bonne condition et si jamais même circonstances sont favorables, s'il est capable de surmonter ce 6e ligne, placer dans une bonne position sur la partie initiale, il est capable de faire l'arrivée. Pour les fans de Bougodli, pour la fin de l'émission, nous passons à la deuxième course, l'eau 1000 mètres, deuxième course, contenant 10 portants alignés avec Épicentre, Kingdom Ski monté par Mark Neges, Épicentre avec David Bonilla, Obligation d'Eric David, Amber Palace.
Cédric Ségéon, Martin, le nouveau de l'écurie Rameshwar Gajadhar à Cachoua Charaz, Ocean's Edge qui finit passe contre Andy Apeatob et pour jockey Yashine Mamdi, Win a Million Daryl Holland, Moichidou Rakesh Bogirotti, Mukadje, le nouveau de l'écurie Sailesh Ramdin et Sherman Brown, Tigre Libre, autre nouveau ici pour l'écurie Ricky Manga, Brandon Lerena. Nitin, trois nouveaux dans sa deuxième course là, Enmolo Saken là-dedans. Oui, Martin, c'est un two-time winner au 1000 mètres en Afrique du Sud. C'est un cheval qui est arrivé depuis l'année dernière, mais qui n'a pas réussi à débuter parce qu'il s'y rencontre un petit pépin. Et là, il y a beaucoup de travail pour, en vue de ce début. On a trouvé tout à l'heure, il n'était pas même participé à un bar et trial. Pas de mal fait à l'entraînement, mais après un repos, mon préféré, regretté en compétition. Tigre Libre, c'est un Zen Seval, 3 ans, qui galope seulement en deux occasions en Afrique du Sud, mais il démontre un certain potentiel, son premier sorti, une sortie seconde Zen Seval qui s'appelle The Jet. À l'entraînement, même s'il montrait un peu green, il démontrait un gros potentiel lors de son travail. Son boy trial qui est très intéressant, un boy trial qui s'est remporté d'ailleurs devant l'Yetchouva. Vous pensez nous avoir l'occasion de ça, d'exercer ça dans quelques instants. Nous trouver avec la Kazakh Rouge, Tigre Libre, tu prends un bon départ ce jour-là avec Brandon Lerena, derrière Tina Lietchouva, devant Tina Levanto. Et nous trouver qui travaille bien en main, Lietchouva tient un peu keen l'extérieur, et dans la ligne droite, les torse jockey qui demande rien de faux. Nous trouver ce cheval-là. Qui bien accéléré. Je pense que c'est un cheval qui a un good kick. Et Zedi, il réalise vraiment un meilleur spurt de la matinée. Et en 10 secondes et quelques centièmes. Maintenant, c'est un cheval, un cheval qui pourra débuter ici première fois, ne pas connaître comment il comporte lui. Mais définitivement, c'est un cheval qui a un gros potentiel et qui est capable de gravir les échelons à l'avenir. Tigre Libre, donc le numéro 10, le 9, Mukadje, ou bien les coussins visiblement. C'est un cheval qui n'est aussi pas mal fait à l'entraînement, il fait un bon travail en compagnie de Rainstone qui l'a dominé durant la semaine, mais il paraît que c'est un cheval qui est plutôt un mile, un sprinter mile, et mon préféré est d'être en compétition là-bas. Thierry, qui vous pensez de sa deuxième course là? Écoutez, Rajiv, les courses 1000 mètres, généralement, c'est un cheval qui est bien placé dans les courses qui gagnait. Et moi, mon favori dans cette course-là, c'est Win a Million. Malheureusement, il était une très mauvaise ligne. C'est un cheval very promising, comment nous dire. En cette sortie l'année dernière, il réussit à remporter les courses et il est placé 5 fois. Donc, il reste un très très bon sujet dans ce lieu-là. Et il est très très bien au niveau de la condition. Il y en a quelques excellents galeux à l'entraînement. Ben chrono vraiment époustouflant. Là, nous avons un travail qui est réalisé sur la selle de Sunil Bendu. Vous trouvez qu'après le passage du but, il vraiment change de vitesse. Et là, il réalise chrono de 11 secondes et quelques centièmes sur environ 200 mètres. Oui, mais j'allais dire qu'il est souvent ligne parcours les derniers 400 mètres en moins de 23 secondes à l'entraînement depuis le début de sa préparation. Et probablement, c'est un cheval qui ne progressait depuis l'année dernière. Oui, la million donc avec Daryl Holland sur le dos et les autres chevals qui vous trouvent bien, Thierry? Ben, dans sa Ligue il y a Obligation qui affiche une superbe forme en ce moment. Et malheureusement, il y a un petit manque ce départ. Il effectue un boy test. Il est sorti, mais un petit peu lente quand même. Moi, Codeline, une chance aussi, une épicente qui est bien présentée en ce moment. Il est la deuxième ligne, il porte les œillères pour la première fois. Lui aussi, je pense que nous devons respecter lui. Et dans ce nouveau Tigre Libre-là, dont on dit le plus grand bien, c'est un Zen Seval qui peut aborder ce troisième les courses de sa carrière. Néanmoins, s'il réussit bien positionné dans les courses et il n'est pas trop tiré, il n'est pas montré trop dans les courses, et quand il trouve la lumière, m'espérer, il est capable de bien accélérer. Et sinon, Martin, un véritable spécialiste du kilomètre, lui, malheureusement, il fait plus qu'un an qu'il n'est pas galopé. Et je pense qu'il peut bien faire les courses là. Sinon, il a Ocean's Edge qui réalise un très très bon chrono à l'entraînement.
Malheureusement, il y a une mauvaise ligne. Donc, une course qui paraît un petit peu compliquée à déchiffrer. Néanmoins, je suis bien content de gagner des millions dans cette course. Oui, un million de cheval numéro 7, Nitin, qui nous capable d'ajouter par rapport à deuxième course, c'est les œillères pour la première fois à faire ressortir pour Épicentre. Vous connaissez les courses références Winnie Million, c'est sur victoire face à l'Ordal l'année dernière, lors de la 37e journée, quand il y a des courses difficiles, on a écouté et il vient gagner au finish. Et puis, lors de la journée internationale, il était un peu malchanceux, l'étant l'Ordal gagné avec le jockey Acadie. Probablement, c'est Acteur Vélo qui vous gagne ça, les courses, ça joue là. Acteur Vélo qui est monté par Guignon et qui gênait. Winnie Million également qui gênait au départ. On a trouvé qu'il pris en sandwich puis après le départ avec 40 Emmanuel et les Firecutting. Et il a perdu sa position et il est retrouvé du coup derrière l'Ordal. Golden Shake qui dirige les opérations devant Firecutting. L'Ordal est dans une bonne position. On a trouvé Winnie Million toujours derrière l'Ordal à ce stade. Million Mestar sur l'extérieur. Acteur Vélo plus en épaisseur. Et là, ce jockey puis toujours cherche le passage. Pourquoi est-il monté par Pedroza, si je ne me trompe pas? C'était de Souza. Et dans la ligne droite, il revient. Acteur Vélo également termine fort à l'extérieur. Et finalement, il prend la troisième place. Quand nous analysons ça, sans sa deuxième course, hein, bon, nous pas qu'on va aller ben nouveau, mais je pense Acteur Vélo et l'Ordal, c'est un cheval, je pas trouvé un cheval qui vaut sa deuxième course, ça pour ça. Donc, malgré ce dixième lit, je pense que Winnie Million, je d'accord, Thierry Révini, d'excellentes chances dans sa course. Et un mot sur le 8, Moichido. Et ce cheval-là, on the upgrade, il est mieux dans la peau. D'ailleurs, si vous êtes sur pas, vous trouvez une réponse de Fkido l'année dernière. Au fil de la compétition, il commence à venir un peu light. Je pense que Chiris Narang fait un bon travail avec lui. Et mardi, il très bien travail. L'année dernière, au début de sa carrière ici, il est parti démérité derrière Ryder Cup. Il a fini deux longues des Ryder Cup dans les courses et puis par la suite il prend une bonne troisième place des Sweep Forward. Probablement c'était un cheval qui pour galoper bien le souffrir. Je pense qu'il est un bon outsider dans les courses. Maintenant le tour nouvel à troisième course, 1365 mètres. Et ici nous avons Just Be Brave qui est monté par Niven Mardy, Rum Tum Tugger, Sherman Brown, Prince Passeo avec Sunil Bandhu, Top of the Chalk, Sakasha Charles. Mr. Brightside, Cédric Séjéon, Call of Courage, Derek David, Almara, Brandon Nerena, City Treasure, Davy Bonilla et Capiti Coast, Daryl Holland. Donc, comment ça les coups, Thierry? Et dans ça les coups, là, il y a Rum Tum Tugger qui est dans une très belle forme. Sans doute, un des vannes de Silas Ramdin qui n'a plus beaucoup de travail dans les jambes. C'est la deuxième ligne, montée par Sherman Brown, un jockey qui connaît bien, qui a gagné avec lui l'année dernière. Il est idéalement placé. Et c'est une course qui fait bien sur sa fraîcheur. Makodli a une très bonne chance dans sa course-là. Le 1, Just Be Brave, c'est une course qui peut descendre de catégorie. Il bénéficie de la décharge de Mardé. C'est la première ligne. C'est une course qui, on a l'impression qu'il bien assimile ce travail depuis le début de l'année. On a eu l'occasion de trouver à Floréal en début de février. Il est très bien en ce moment. Et ce matin aussi, on trouve lui très bien lorsque Niven Mardy n'a le trot de lit ce matin. Je pense qu'il besoin de respecter lui dans sa classe-là. Surtout s'il est capable d'aller devant ou même suivre dans le sillage d'un éventuel meneur. Il y a aussi Mr. Brightside qui gagne dans un très beau style l'autre des dernières les courses. C'est un coursier qui continue bien faire à l'entraînement. Donc, nous devons respecter lui malgré ce sixième ligne. Call of Courage, Connections de Roussette, il sait beaucoup l'équipement avec lui à l'entraînement, notamment le bonnet, les pacifiers, tout ça là. Et néanmoins, là, nous trouvons qu'il est peut-être seulement le noseman, mais nous vous avons rappelé qu'il a sa deuxième sortie ici. Il s'est bien fait, il s'est bien galopé avec seulement le noseman. Il n'est pas de mal fait à l'entraînement. C'est un coursier qui, quand même, voilà, nous trouvons qu'il est bien sollicité.
Une demi-millénime, c'est ça quand même, Maudit. Tout à fait. Et nous trouver aussi qui tu peux porter les pacifieuses. Et on parle de Call of Courage, même si c'est un cheval assez imposant, qui est un style assez léthargique, bon, j'ai l'impression qu'il est plus souple de son action cette année-là. C'est un cheval qui a beaucoup, beaucoup de travail depuis le début de l'année. Il a même participé à une Barrier Trial. C'est vrai là, l'année dernière, son robe qui manque un peu coulé, c'est un peu gris, mais là, il a une condition nettement améliorée. Et ce Barrier Trial est très intéressant parce qu'il fait, ça joue là, c'est Maestro Salute qui remporte sa Barrier Trial là. Et lui, il utilise dans les. Ils suivent Maestro Salute et ils terminent deuxième derrière Maestro Salute. Nous trouvons Maestro Salute, il y a une galopin jolie les courses la semaine dernière. Et bon, et l'année dernière, il n'est pas mal galopé, même s'il n'est pas gagné. Il tombe deux fois derrière The Pyman, qui galope dans une classe nettement supérieure par la suite. Et sur les courses qui ont une référence pour moi, c'est sur les courses que les gars ont battu Illusive Love. Que Johnny Gerolis fait les galops à l'extérieur, handy, le nez au vent sur tout le parcours, et il n'est pas faibli à la fin, et il montre lui très accrocheur. Et mon pensée, c'est ce cheval-là, il est bien mieux là, sur la peau cette année-là, et moi, il a une très bonne performance de sa part dans sa troisième course. Donc, troisième course avec Call of Courage, Rum Tom Tugger, Mr. Brightside, Thierry. Oui, comme on dit, Rajiv, Mr. Brightside, c'est une course qui est dans un impressionnant style lors de sa dernière sortie. C'est valable de continuer à progresser à l'entraînement. Il n'y a pas de mal faire du tout durant les deux dernières semaines. Malgré ce sixième ligne, moi, Codeline, bonne chance de se placer. Donc, cette troisième épreuve avec City Treasure qui tuait bien l'eau du week-end international, vous pensez, bien, confirme ça les coursa d'abord? Oui, je pense qu'il pouvait bien confirmer ça les coups avant Rajiv. Il est dans une belle forme. Il n'est pas mal fait à l'entraînement, mais je pense qu'il quand même, et a quand même un coursier qui nous a respecté dans les coups. Mais moi, a une bonne performance de sa part. Mais je pense qu'il pouvait bien confirmer sa bonne deuxième place des Kremlin Captain là avant. Nitin, et monsieur le 7, Almara. Dans une très bonne condition. C'est un cheval qui tirait à l'entraînement. Il réalise quelques bons galops. L'intier a la ligne correcte et s'il répète sur les courses que l'intier bat Mélanie Mesta avec Robbie Buck sur le dos, certainement il a un droit légitime de disputer l'arrivée. Le 9 Capitico, c'est qu'il perd 13 kilos sur la balance. À l'entraînement, il paraît dans une bonne condition, il bien travaille. Il est avantagé au handicap par rapport à sa dernière confrontation avec Call of Courage dans la fameuse course lors de la 34e journée, quand il amène 58 kilos. Il est monté par Dinesh Chauffour, ça se voulait, il tire en épaisseur à 450 mètres de l'arrivée. Mais bon, bon, c'est une bonne décision, enlève les aiguilles avec lui parce qu'il c'est un cheval bien keen, assez ardent. Et maintenant, quand il peut placer dans les courses avec sa mauvaise ligne, ça c'est une autre question. Voilà, pour les choix de Pogodli pour la fin de l'émission, nous passons à la quatrième course, 1365 mètres, ici, de la 10 portant qui est engagé, avec The Colonel Son qui fait une passe contre l'écurie Rajramdin, Checker monté par Akash Charles, Snappy avec Rakesh Bogirotti, The Pyman, Cédric Cégéon, Liam, Sherman Brown, Nothing Compares, Derek David, piqué avec Brandon Lerena, Duel à 7 et Kevin Ganoa, Witch Var, Nick Shelty, High Street Bounce, Daryl Holland. Nitin? Elle est une bien compliquée à déchiffrer, mais vu qu'il n'y a pas tant qu'il prend beaucoup de trains et ça capable avantage Nothing Compares, mais à cet effet, je n'ai pas pensé sur première ligne, c'est moins l'avantage, donc je pensais que Derek David bien prendre une disposition pour ne pas laisser enfermer éventuellement durant le parcours. Mais à l'entraînement, Nothing Compares, certainement le cheval qui le mieux travail de Sachon là à l'entraînement. Nothing Compares with une cause de Pyman. Et là, nous trouvons Nothing Compares à l'entraînement d'ailleurs. Et monté par Derek David. Le 10 Street Bounce. Et
Il y a les courses au 1000 mètres l'année dernière, mais il y a les courses qui ont été galopées avec Jack Lal, qui ont été galopées en Atlantis, qui ont été pas mal fait. Il y a la deuxième ligne. Vous ne pouvez pas penser que le 1365 met un problème pour lui. Et si jamais il n'y a pas inquiété à l'avant, il y a toutes ces bandes dans la course en tête, c'est un cheval qui est capable de bien faire et il y a une chance d'outside. Le 2, Checker. Checker, façon qu'il nous peut imaginer, les courses pour dérouler, ça capable de shoot lui, mais ce cheval-là n'a pas de mal fait à l'entraînement, mais vous pensez qu'il est capable bien mieux encore au niveau de la condition. De côté Thierry? Mais écoutez, paraît que prenant beaucoup de train dans les courses là, avec la présence de Duncan Nelson, Piquet ou autre Street Bouncer. Street Bouncer est un sujet qui nous pas trop trouvé à l'entraînement ici, essentiellement entraîné au bord de la mer. C'est valable paraître dans une belle forme. Et avec sa deuxième année là, vous pensez qu'il est le plus rapide du lot et essaye un peu ce pas. Mais si Enakiken décide pour Takinli, je pense qu'il est capable même de s'être en deuxième position et accélérer. Et avec ce 57 kg, il est capable de prendre le first run sur Nothing Compares. Parce que Nothing Compares, même s'il est bien travaillé à l'entraînement, je pense qu'on trouve lui à 100% de ses moyens. Il n'est pas encore au top de sa forme. Et je pense que Street Bouncer et Nothing Compares sont capables de suivre l'arrivée dans sa course là. Sinon, on a The Pyman qui reste quand même un cheval bien intéressant. 10 sauts, il y a 3 les courses l'année dernière. Il y a avant des courses vraiment assez impressionnantes qu'il a gagné au départ de Rum Tum Tugger et Call of Courage l'année dernière. Vous pensez que si ces éons réussissent sûrement de ce 10e couloir avec sa course et là, il pourrait être quand même un gros danger pour la victoire. Et n'est-il des chevaux comme The Colonel Sun ou encore Liam? Liam, je pense qu'il est capable encore mieux. Il n'y a pas beaucoup de travail à pour lui. Je ne sais pas qu'on est à Floréal, mais à pour lui, je ne pas trouver lui aussi régulièrement. Et je pense également au niveau de la condition, il est capable d'improuver encore. Mais c'est un cheval qui, quand même, il y a 7 les courses ici. Nous ne sommes pas trop connus de manière qu'il est courses pour dérouler. Et donc, nous ne sommes pas capables de prendre le risque écarté non plus. Voilà, nous quittons sa quatrième course pour venir avec Banchois un peu plus tard. Nous allons la cinquième qui va louper le 1500 mètres. Ici, nous avons Bacon Flair, Parker, Wonder Kid, Rashid, Parseval et Ghost Dog qui s'affichent donc à l'écran les 6 partants de cette cinquième course. 6 partants seulement. Il y a des courses qui restent intéressantes sur papier, Thierry. Tout à fait, surtout que dans sa course là, les 3 premiers chevaux se tiennent de très près d'après moi. Et Bacon Flair pépote les œillères pour la première fois. C'est l'équipement avec lequel il bien travaille à l'entraînement, notamment il s'est effectué une Boyer Trial il y a quelques semaines de cela. Il bien travaille l'autre Boyer Trial là avec les œillères. En fin de saison dernière, c'est voilà, il termine 4e des Yenno Audi Courier. Là, nous avons ce boyer qui fait la course devant. Il nous trouvait bien accéléré dans la ligne droite. Là, c'est Mojo G Racketeer Blues qui est derrière. On dit que Racketeer Blues si complètement manque ce départ. Et Mokadje en dernière position. Voilà. Bacon Flair donc. Il est très bien en ce moment. Certainement, un Manceval Mervin qui est le mieux présenté cette semaine. Marque lui une très bonne chance dans sa les courses là, surtout avec la troisième ligne. Maintenant, quand nous guettons les courses là, nous ne trouvons pas un autre cheval pour Parker qui est capable de galoper devant. Et Parker qui est notamment très très bien lui aussi. Il tient la deuxième ligne. Si Yassine Hamdi est capable d'imposer un pas correct dans sa les courses là, vous pensez qu'il est à respecter. Et à moins que Rachid, qui paraît un peu fraîche en ce moment, décide de faire courir Parker. Et là, ça capable d'arranger les dessins des finisseurs comme Bacon Flair et Wonder Kid. Et Wonder Kid, justement, qui gagne pas mal de travail à l'entraînement, il affiche une très bonne forme lui aussi. Il vous a sûrement sur 4e ligne, mais il a démontré dans le passé que la ligne n'est pas vraiment un gros problème pour lui. C'est un coursier qui même capable à 6 ans 1-off et démarre de loin. Il y a plusieurs semaines de courses sous la selle de Hofer dans ce style-là. Et je pense que c'est un cheval qui nous a respecté même à ce niveau.
Le 5, Perceval. Perceval, bon, tient beaucoup d'espoir sur lui la saison dernière. Il n'est pas fin nécessairement à la hauteur. Ça soit là, nous remarquons, il prend 13 kilos sur la balance. Est-ce qu'il l'intersaison fin de faire du bien? Oui, ça 13 kilos là, c'est 13 kilos muscle. C'est là très très bien actuellement. Il très bien travaillé hier matin. Maintenant, on ne connaît pas 1500 mètres un parcours idéal pour lui, mais c'est valable à attendre à ce qu'il remporte ce premier cours chez nous très bientôt et capable même demain. Sinon, pour Nitin, les courses là ou lecture? Une course compliquée parce qu'il y en a 6 Céval, Bacon Flair, Modacor, Thierry, c'est probablement Céval, Enman Céval qui plie bien contre Patrick Mervin. Superbe condition. Qui galope bien l'offre ici l'année dernière, qui a gagné ce premier sorti ici avec Johan Victor. C'est valant top form. Pas que Enman Céval qui plie bien contre Randy Pierre Top. Il y a beaucoup de travail, souvent un travail au cool style. Qui a galopé la semaine dernière, réalise un très bon chrono. La classe est probablement le meilleur cheval du lot. C'est un cheval qui a battu au Skippy John Jones, il a galopé au Grace Champ. Des fois, il a battu au Skippy John Jones. Bon, idéalement, les types préfèrent une plus longue distance, mais comme Thierry dit, il est pour le seul front-runner de la course. Et s'il nous laisse lui imprimer le train à sa guise, il est capable difficile pour remonter. Wonder Kid, il a beaucoup de travail de base à la mer. C'est un cheval qui passe beaucoup de temps à la mer. Et là, mardi, nous faisons tout ce travail pour ses comitatus à l'extérieur ici. Il remonte pour ses comitatus assez facilement. Nous devons respecter lui. Et par cheval également, très très bien. Donc, dans 6 chevals, il y a 4 chevals qui dans une très bonne forme. Ghost Dog également paraît mieux dans la peau. Mais il a tellement décevant sur l'année dernière, donc nous préférons regretter. Voilà, nous quittons sa cinquième course pour lever la septième maintenant, une 1500 mètres. Le benchmark 46, ici nous n'avons 6 partants. Blaze of Noon avec Brandon Nerena sur le dos. How Many to One monté par Hydra One, Bronco Buster et Derek David. Lion Sprint, Cédric Cégéon, Chaudinic, David Bonilla et Mountain Thunder. Swapnil Rama. Nitin. Une course que l'écurie Patrick Mervin a les cartes en main. Normalement, quand on a les écoussins, on a 6 chevals. L'écurie Patrick Mervin a 2 chevaux. Des chevaux qui excellent dans la course à l'avant, Lion Sprint et Mountain Thunder. Mais logiquement, il paraît que Mountain Thunder, qui est plus un sprinter, vous pensez, vous ne connaissez pas Thierry ou d'accord, moi, c'est probablement Mountain Thunder qui pourra être appelé à diriger les opérations. Dans ça les courses ça. Bon maintenant la Lion Sprint a déjà démontré qu'en ligne sur les courses c'est pas nécessairement un cheval qui vise un galop devant, probablement il peut opter pour la course en deuxième position. C'est un petit fil. Maintenant la question qui nous vient pour nous, qui vitesse si jamais Mountain Thunder qui a le devant, est-ce qu'il peut aller vite ou bien est-ce qu'il peut aller doucement? Donc le train de la course pour déterminant. Mountain Thunder qui est probablement 1500 mètres paraît un petit peu long pour une reprise pour les tirer. Tout à fait. Surtout, Nitin, quand je peux causer, qui, Patrick Mervin a 2 chevaux dans sa course. Et c'est probablement Mountain Thunder qui parle devant parce qu'il y a un sprinter. Nous rappelons dans le passé, il y a plusieurs cas comme ça que nous pensions que c'est un sprinter là qui parle devant. Mais par la suite, quand nous causons avec un entraîneur là, nous trouvons que vu qu'il s'évalue la peine à distance, je préfère pas bander s'évalue là au départ, je sais lui au maximum. Et si finalement nous trouvons probablement Lion Sprint qui va pas aller devant Mountain Thunder. Et si tel est le cas, vous pensez que Lion Sprint aura une belle carte à jouer dans sa course ça. S'évalue là très bien, il passe un séjour au bord de la mer. Comme à son habitude, sur la fraîcheur, il reste un pointman favori pour remporter les courses. Sinon, le numéro 1 dans une super forme en ce moment, c'est vraiment un change horse d'après moi. Mais il est tellement décevant l'année dernière, alors qu'il ne suit pas beaucoup de Blaze of Noon. Et dans le numéro 2, How Many to One, qui excelle sur la fraîcheur, Lynch est une bonne deuxième ligne.
et il est capable de profiter des circonstances pour essayer de gagner une bonne position dans les courses, pourquoi pas essayer de remporter les courses là. Sinon, au sujet de Bronco Buster et de Chodenic, vous pensez que ça des courses là, je appelé à mieux faire, peut-être peinant encore suffisamment de travail dans les jambes pour remporter les courses, mais vous pensez qu'ils terminent pas très loin du gagnant. Blaze of Noon qui finit prend 11 kilos, plus 19 pour Lion Sprint, plus 7 pour Bronco Buster. Dans cette septième course, Nitin, quelque chose à ajouter par rapport à les autres pour autant? Moi, je pense que vous n'avez pas trop éliminé Bronco Buster activement. C'est un cheval très régulier dans sa classe-là, qui n'a pas moins de 12 courses l'année dernière. C'est vrai qu'il gagne seul les courses au dépens de son compagnon de Curie Aspen Impera, mais il est également bien fait. Deuxième des True Brave, deuxième des Laser Bolt. Et des fois, il finit troisième des Destin. En fin de saison, il s'est un peu fatigué. Et ces vannes-là, il tenait tête à Recall to Life mardi à l'entraînement. Et il m'a trouvé dans une très bonne condition. Et mon pensée nous faisait respecter lui par rapport à sa régularité. C'est tout là, il est fraîche. Moi, attendre à ce qu'il réalise une bonne course. Voilà, nous avons la huitième et dernière course de la journée N1500 mètres, benchmark 36 avec Sénéchal, Bandido Caballero. Bandido Caballero. Ce sera le favori de cette course, Brandon Lerena en selle, New Star Derek David, Ravatak Akasho Charles, Double Dash Cédric Sergeon, Soaring Fury Azulash et Friday Lunch Club Sunil Bassam, Daryl Holland, Pémonte le numéro 1, Sénéchal. Donc, Bandido Caballero, N-Banker, n'est-il? Oui, dernière fois, moi, je suis N-Banker, je rappelle, moi, je suis un froid dans les courses, que ça joue là, il bat Ravatak, mais c'était une semaine qui t'y montrait un peu green, ça joue là, et l'initial à la deuxième ligne, c'est valable très très bien, définitivement, il progresse. Il paraît un peu sour à l'entraînement plusieurs fois. Il est sur le jockey, il donne du fil à retour de ce pauvre Palfoyer. C'est valable qui a ce petit caractère, mais qui a un gros potentiel. À l'entraînement, il y a beaucoup de travail depuis février. Il est top fit actuellement. Là, il mérite ce travail à l'intérieur de Laser Bolt mardi. Et lorsqu'on a une performance l'année dernière, sa progression qui n'affiche à l'entraînement définitivement, il reste le cheval à battre. Parmi son adversaire, vous pensez que c'est Sénéchal qui a déjà gagné dans la fourchette 46-30, la Libéga Lopo en 36-20. C'est un cheval qui a déjà battu Freedom, son compagnon d'écurie, dans un joli style avec Naiko. Là, avec une première ligne, vous pensez qu'il n'est pas capable de prendre le risque éliminé. New Star très très bien. Probablement le parcours un petit peu short pour lui. Ravatak également très bien. Trois deuxièmes places consécutives, trois dernières sorties. L'année dernière, il termine deuxième derrière Bandido Caballero. Maintenant, il prend l'avantage du handicap par rapport à Bandido Caballero. Nous faisons respecter lui. Et entre les deux meilleurs, nous trouvons que Cédric Séjour a choisi un double dash. Les visées n'ont pas de raison. Autant, à première vue, quand nous lisons les courses, nous trouvons qu'il sort une prix probablement pour tout seul devant avec Oulash. Et s'il y a le loisir, il vise les opérations, il est capable d'en sauver à dire également. Pour Thierry? Oui, Bandido Caballero, très très bien en ce moment. Très bien travaillé mardi matin, il domine les Bolt. Jeudi matin, excellent spurt en ligne droite. C'est le désavantage de Bandido Caballero, c'est ce manque de train. Et il pourrait trouver lui vraiment en arrière-garde sa course là. Et bon, est-ce qu'ici l'essai évolue un peu, puis après se finisse pour émousser? Et donc, c'est ça qui est un petit peu qui jouait en défaveur de Bandido Caballero. Sénéchal, l'initial à la première ligne, mais vous pensez que 1500 mètres là paraît un petit peu long pour une reprise. Un petit peu bien travaillé quelques temps de cela, mais mardi, on est un petit peu déçu dans ouais, ce travail. Oui, l'initial peut travailler mieux avec Rocambot, peut-être. Vous voyez, Thierry, peut-être parce qu'il est un petit travail tout seul. Enfin, moi, parce qu'avant, il était un petit travail avec Rokovos, tu peux travailler toujours très bien. Il m'a dit, c'est vrai, quand il travaille tout seul, il n'est pas aussi percutant. Peut-être que c'est un coursier qui faisait comme Penny dans les courses et même à l'entraînement. New Star, très très bien. Malheureusement, lui, il y a un coursier qui montait un petit peu lent au départ et 1500 mètres risquait un petit peu sharp pour lui. Surtout avec la 7e ligne, vous pensez que l'ICAV tout au plus aspire une place dans le TSC. Ravatak dans une superbe forme. C'est un point de course qui m'a bien content dans cette course-là. Qui fait moi croire que Bandido Caballero, malgré tout, il est difficile à battre? C'est parce qu'il a seulement 7 chevaux dans les courses. Et à Diane Overdale, il n'est pas pour être aussi décroché que ça
durant leur balage final. Ils risquaient de gagner moins de trafic problème ça, parce que quand ils gagnaient l'année dernière, Jim Cassidy vraiment monté avec beaucoup, beaucoup de sang-froid. Et là, avec seulement 7 chevaux dans les courses, ils tiennent une bonne deuxième ligne. Je pense que Brandon Lerena prend en disposition pour rôder une bonne position, attendre l'ouverture en ligne droite. Et c'est un cheval qui a vraiment une powerful turn of foot. Et je pense que malgré tout, il peut faire la différence. Voilà, nous finissons le tour de cette journée, de cette dernière course. Pour tout de suite, nous parlons en direction de Floréal, à rejoindre Kamlesh Rajkumar pour mener l'entraînement. Les chevaux qui peuvent prétendre à la victoire dans la première course sont principalement Generous Gent, qui reste un bon track worker et qui a donné entière satisfaction lors de ses séances d'entraînement. Keep Walking, qui a bénéficié d'une attention particulière de la part de son entourage et qui est bien physiquement. Et Black Gambit, qui affiche une bonne forme en apparence et qui a été maintenu sur sa fraîcheur physique. Dans la deuxième course, Epicenter a été patiemment préparé ces derniers temps et il paraît avoir gagné en condition. Win A Million a bien assimilé son travail jusqu'à présent et il est fin prêt pour sa course de rentrée. Dans la troisième course, Top of the Chocks est celui qui a tapé dans l'œil dépend sa belle forme, comme en atteste l'état de sa robe. Capiticos a démontré des signes évidents de progrès et les mieux par rapport à l'année dernière. Just Be Brave s'est bien comporté lors de ses séances d'entraînement, donnant une indication qu'il s'est mieux acclimaté. Dans la quatrième course, Nothing Compares commence à retrouver ses moyens et il a été préparé avec soin ces derniers temps. Checker a régulièrement évolué sur trois tours de la grande piste. Il semble être dans de bonnes dispositions. Liam a progressé de façon satisfaisante et s'est montré bien appliqué lors de son quinté. Dans la cinquième course, Parseval donne l'impression d'être mieux au niveau de sa condition et son entourage l'a maintenu fraîche en vue de sa rentrée. Ghost Dog a profité de l'intersaison pour se refaire une santé et s'est bien comporté sur la grande piste. Parker a bien assimilé son travail tout en retrouvant graduellement ses automatismes. Dans la sixième course, Recall to Life a bénéficié d'une préparation méthodique par le jockey Nishal Tia et il a souvent travaillé sur deux tours de la grande piste. Kougaran a laissé une très bonne impression lors de son quinté, démontrant qu'il est toujours dans de bonnes dispositions. Roman Manner commence graduellement à gagner en condition et l'a donné entière satisfaction lors de son quinté. Dans la septième course, Blaze Amnoun a été patiemment entraîné et il a l'air d'avoir gagné en maturité. Bronco Buster est en constant progrès et il a été l'auteur d'une bonne prestation aux côtés des deux Fabulux. How Many to One s'est pleinement retrouvé pendant l'intersaison et sa bonne forme n'est pas passée inaperçue. Dans la huitième course, New Star est un coursier qui respire la santé et qui a bénéficié d'une bonne préparation en vue de sa première sortie. Rawatak possède beaucoup de travail dans les jambes et il a fait bonne impression lors de son quinté. Sénéchal a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il affiche une forme appréciable pour débuter la saison. Retour sur le plateau de Tough Time. Maintenant, nous pouvons le choix
dans cette émission. Et nous commençons avec la première course, le 1365 mètres doté de la Student Prince Plate. Anitin, on commence avec vous, un choix dans la première course. Generous Gent, Hopes and Desires et Black Gambit. Thierry. Generous Gent, Hopes and Desires et Port Albert. La deuxième course pour galoper le 1000 mètres doté de la Great Gusto Plate. Et ici, les choix s'avèrent un peu plus compliqués. Nitin. Win a Million, Tigre Libre et Moïse 2. Thierry. Win a Million, Obligation et Tigre Libre. La troisième course, 1365 mètres, avec 9 partants au départ. Les choix de Nitin. Rum-Tum Tugger, Call of Courage et Mr. Brightside. Thierry. Rum-Tum Tugger, Mr. Brightside et Call of Courage. La quatrième course se joue sur 1365 mètres, une des courses benchmark 51, Nitin. Nothing Compares, The Pyman, Street Bouncer. Thierry. Nothing Compares, Street Bouncer et The Pyman. Cinquième course, le 1500 mètres, Saint-Malo Cup, Nitin, les choix. Wonder Kid, Beacon Flare et Parker. Thierry. Beacon Flare, Wonder Kid et Parker. La sixième course, la Gaëtan Alvex Cup, l'eau 1400 mètres. Allô, Nitin, qui vous choisir? Recall to Life, Cougar Run et Kalinago. Thierry. Recall to Life, Roman Manor et Cougar Run. La septième course, l'eau 1500 mètres, benchmark 46 avec 6 partants au départ. Nitin. Blaze of Noon, Bronco Buster et Lion Spring. Thierry. Blaze of Noon, How Many to One et Bronco Buster. Et finalement, huitième et dernière course, Beverly Hills Plate, 1500 mètres également. Nitin, les choix. Bandido Caballero, New Star et Sénéchal. Thierry. Bandido Caballero, Sénéchal et Ravatak. Voilà pour les choix dans cette émission. Maintenant, un banker avec un outsider. Thierry d'abord. Comme vous pensez, la physionomie de la huitième course, Bandido Caballero reste le cheval à battre. Vous faites un banker pour cette journée. Et un outsider. Vous bien content de la première course, Hopes and Desires. Pour Nitin. Banker, Bandido Caballero également et Outsider Parker. Merci Nitin, merci Thierry pour présence sur ce plateau. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.